Bonjour la Good Deal Family, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez compris dans cette vidéo, c'est vraiment les grosses courses, le gros ravitaillement pour le mois d'octobre. Alors ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de retour de course, tout simplement parce que entre le scannage des courses, la quantité de courses quand on fait des grosses courses, c'était pas possible de tout mettre sur ma table. Donc j'ai opté pour un nouveau système pour vous faire un retour de course. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, donc on verra ensemble le résultat. Donc soyez un peu indulgents. Et avant de commencer, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous ne manquerez rien du tout. Alors dans cette vidéo, on va surtout faire d'abord le retour de course et après je vous parlerai du scannage de course. Allez, on y va, on commence. Donc sur cette photo là que vous voyez, donc on a d'abord 4 pains à la crème. On a pris aussi des pains au raisin, des cookies nappés de chocolat et alors les cookies au chocolat pour la petite qui se vendent par 14. Ensuite là, vous avez donc les céréales. Donc les sugar flakes pour papa gamer, puis les smacks et les jumblies, que ce soit pour moi ou la petite, on partage un peu toutes les deux en fait. Ensuite là vous avez tout ce qui est glace, donc on a pris des glaces en cornet vanille pralinée parce que depuis que j'y ai goûté, je sais plus m'en passer en fait. Et on a pris pour la première fois pour goûter les glaces façon crème brûlée, donc on verra un peu le goût que ça a, ce que ça donne. Et papa gamer a pris pour lui des glaces Snickers. Voilà. Donc ensuite, nous avons tout ce qui est un peu biscuit. Donc on a des petits beurres au chocolat au lait. Donc j'en ai pris 2. Parce que c'est vraiment un stock pour le mois, pas pour la semaine. Papa gamer s'est pris pour aller au travail des biscuits génoise orange. Après, j'ai repris pour moi des petits beurres, mais cette fois-ci au chocolat blanc. Alors, on a pris des petits lus moelleux au chocolat pour la petite parce qu'elle adore. On a pris des brinkies pour papa gamer, des barres chocolatées, donc ça c'est pour la petite. Et on a pris aussi des maxi Kinder, c'est évidemment pour elle. Et pour moi, le soir, devant la TV, des chocolates. Voilà, voilà. Alors, ensuite, en bonbons, donc on a les bonbons Mahoney parce qu'ils ont un goût qui est vraiment bon. Bon, il n'y a que 2 paquets parce qu'on ne mange pas énormément de bonbons. Et alors, les guimauves Baby Ours au chocolat. Mmh, un délice. Ensuite, donc on a les yaourts. Donc, c'est des sous-marques. Donc, on a pris saveur biscuit. J'en ai pris 2 saveurs vanille. On a pris des Nestlé onctueux goût banane pour la petite. On a pris ensuite du fromage à raclette pour faire une bonne raclette. On a pris des sachets de levure chimique et du sucre vanillé pour la préparation de gâteaux. Ensuite, j'ai voulu prendre une préparation pour yaourt, pour faire des yaourts moi-même, et de la crème fluide. Alors, ensuite, il nous reste encore 3 boîtes de biscuits petit déjeuner. Ça, j'aime bien surtout en prendre quand je vais au centre avec la petite et qu'on arrive à 7h30 au matin. Comme ça, on déjeune un petit peu sur place avant ses séances. Papa, lui, il aime bien en prendre avec un petit cacao le soir devant son écran de gaming. Ensuite, j'ai pris de la poudre à panade Nestum au miel. Donc ça, c'est pour la petite. Avec du miel, ça fait vraiment du bien au niveau de la gorge. On a repris une boîte d'œufs et alors des mini gâteaux fourrés au chocolat qui se vendent par 12. Ensuite, vraiment en stock aussi de la purée au lait, donc ça on a repris 2 boîtes. Pour changer, on a pris une compote pomme-poire. D'ailleurs, entre temps que je tourne la vidéo, on l'a goûté et c'était un délice, franchement top. On a repris pour du stock de la graisse végétale à frire, des surligneurs pour moi pour mon bullet journal. Et alors papa gamer s'est pris un petit manga. Alors ensuite on a au niveau des boissons, on a pris un pack de grandes bouteilles d'eau. On a repris 6 packs de coca, évidemment 6 packs c'est pas pour une semaine, c'est pour un mois complet voire un peu plus. Un pack de lait parce qu'il m'en restait un. 2 packs de tropical. En fait, c'est les tropicales, c'est un peu en jus, comme les Capri Sun, sauf que c'est la sous-marque.
On a pris deux packs de thé à la pêche, un yaourt à boire pour la petite le matin, et alors un sirop fraîche banane. Ça change un peu de la grenadine ou de la menthe et c'est super bon. J'ai repris deux boîtes de cacao Nesquik parce que c'était en promotion si j'en prenais deux. Donc un pot de mayo, du ketchup, une sauce aigre douce, une conserve duo d'haricots. En fait, j'aime bien ce goût de mélanger les haricots verts et les haricots jaunes. Ça donne un petit plus que j'adore. Alors j'ai repris, j'ai jamais goûté en fait. Donc j'ai pris pour la première fois un tube de lait concentré au spéculoos. Et ça, je me dis que je pourrais le tenter sur des pancakes ou des crêpes, que ça doit être un délice. On a pris un petit déo lavande pour le WC et du papier de cuisson pour les bons petits gâteaux, les petits plats qu'on peut faire au quotidien. Je lui ai payé un beau snood pour aller avoir bien chaud et un pull. Donc voilà au niveau des courses. Je vais essayer si j'arrive à vous mettre à chaque fois le prix de l'article. Et on verra ce que ça va donner vu que c'est une première de le faire de cette manière-là. Donc je vous laisse là et je vous retrouve tout de suite avec le scannage de course. Et voilà pour le retour de course. Nous voici au scannage de course parce que comme vous le savez, je suis panéliste pour GFK. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais des courses, je dois les scanner. Donc je dois mettre l'enseigne où j'ai fait les courses, la quantité d'articles ainsi que le prix à l'unité. Cela me permet de gagner des points. Ces points me font gagner des cadeaux. Et je peux vous dire qu'il y a franchement des beaux, mais vraiment des beaux cadeaux. Voilà, donc vous me voyez scanner mes courses. Et après, je vous mettrai le nombre de points que j'ai acquis actuellement. Ainsi que les cadeaux que vous pouvez gagner. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. À bientôt !